Boyois de Belfort, voilà. On espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. Puis à tout de suite, alors. Thank you.
Cours. On les a pas. Vous tapez dessus, s'il vous plaît.
Thank you.
je vais improviser un slam que j'ai écrit. Les apparences sont parfois trompeuses. Tout le monde ne renvoie pas une image flatteuse. Tout comme ces pieds noirs qu'on établit racistes à cause d'une histoire qu'ils n'ont pas choisie. Triste et lourde conséquence d'un mode colonialiste pour aller dans le sens des illustres insensés qui nous ont jadis gouvernés, qui ont souhaité s'accaparer de notre partie du monde. Mon père, ma sœur, on n'avait rien demandé de plus qu'un petit français bien blanc du cru. Vivre là était leur souhait, mais pas leur destinée. N'est jamais tissé par toute la Méditerranée et dégagé un coup de pied comme mon grand-père qui parlait moins français que berbère. Pourtant j'ai jamais entendu mon père dire du mal de Mounir, de Driss ou de Kader. C'est peut-être pour ça que je ne souhaite pas d'être raciste. Maintenant j'ai encore en moi le souvenir de cette merde. D'ici le fin ramadan et le permis de parler en cuisine. Toutes ces années passées à jouer au flic et au voleur, essuyant mutuellement nos blessures, nos pleurs. Mais un jour, Kiki et son frère Morad avaient changé de prénom pour qu'on se lance trop original. Je suis sûr que sur un CV, y'a mieux pour décrocher un job. Sauf si tu veux vendre des beignets ou réparer des mobs. Pendant que toi tu saignes, les petits bourgeois se baignent, te snob même. Pendant que tu cries comme une châtaigne, alors je comprends vraiment qu'on puisse avoir des poules. Quand on sait qu'il y a encore pas mal de gens qui vous traitent de pougnoules. Trop de haine à chasser pour réussir à se concentrer à l'école dans ses projets. Dans un monde dont plus Dieu plie à la grosseur de tes couilles. Dans un monde où il faut être le roi de la débrouille. Nous sommes tous finalement des pougnoules, black poulets. Face aux maths qui détiennent les rênes du pouvoir de manger pour garder espoir. Ils ont joué faim pour pas trouver de pain, frère. Tous les jours que Dieu fait, qu'il s'appelle Allah ou Yahvé. Pour garder espoir et maintenir la barre et croire que tout va s'arranger demain. Une poignée de gens pour les moyens, pendant qu'il y en a qui crèvent dehors, devant, sur le trottoir, sont pas prêts à se regarder sur un miroir, eux, pour essayer le plus nouveau rouge à lèvres, eux, qui nous cassent plus lèvres, à force de se les mordre, en évitant de penser à leur proche fille de suicide avant la nouvelle année. Eh ouais, la nouvelle année, qui va pas finir en beauté, comme ces produits qui ralentissent le vieillissement, car lui, le petit vieux, ralentit sa vie avec du mauvais whisky, dans voyous violents. Revoyant le clochard fuyant, se méfie de son gars. Alors qu'il y a 10 ans, c'était un salarié en costard qui payait ses factures, sa bouffe, son toit. Puis débauché d'un divorce, essuyant quelques couvables. La tipa qui nous fait une dépression. Mais c'est tellement dur de rester le front. Alors on disparaît, on se marginalise, on se soustrait à un monde qui n'admet pas de faiblesse, pas de plaisir. Donc plus de plaisir, va falloir apprendre à souffrir. Mais ça se passe comme ça quand on a vu un corps. Et de toute façon, le moindre bifon, tu transformes
tournera en hashish ou en chichon. La petite bouteille d'humanité, toujours trop vide, deviendra la cause et la conséquence des problèmes de rides, jusqu'à ce qu'on te découvre congelé dans le carton d'un téléviseur haute définition.
Thank you.
C'était Sympa Tempo écrit par monsieur Thomas Rumin. Donc au saxophone soprano, vous avez monsieur Thomas Rumin. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. C'est Thomas Rumin. Au saxophone alto, monsieur Gilles Muller. Au saxophone ténor, monsieur Fulvio Sinico. From Toulouse. Non, from Toulouse. À la contrebasse, Hélène Eschbach. Ou Eschbach. Monsieur Julien Domanski. Jean-Michel Savard. Le slam, c'est Christophe Domenech. Jean-Christophe. Merci beaucoup. L'entraîneur du.